Et bonjour YouTube, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Immersive TV, ici Mutsu, j'espère que vous allez bien. Nous, on va très très bien, comme vous pouvez le voir derrière moi. On est fin prêt pour aller faire le boss. C'est bon, je crois que c'est bon. Allô, c'est bon. Ah, il va tuer le truc. Au secours, on est fin prêt, comme vous pouvez le voir, ils sont chauds. On va aller donc faire la Brood Mother, mesdames et messieurs. Premier boss qui avait été implanté sur cette map. Aujourd'hui, aussi le Megalopithecus. Mais en tout cas, nous, c'était notre objectif sur cette série de se dire, allez, on va au moins jusqu'à la Brood pour découvrir cette map. Donc, c'est dans ces épisodes. Et ensuite, on ira faire du petit timing, etc. etc. Comme d'habitude, quoi. Du plaisir et de l'aventure. C'est parti. Bon, les gars, du coup, pour aller faire le boss... On a une compo absolument improbable en termes de dino, mais ça, on va le découvrir juste après. Nous, ce qu'on va crafter déjà, c'est le cube Aura Dream, la gemme de la Broodmother, avec artefact de la sagesse, du serviceur du colosse, 5 énergies cristaux, ça voulait looter sur les alphas, et le mithril alloy qu'on loot du coup petits minerais qu'on forge dans les forges naines que vous avez vues. Et ensuite, pour faire du mithril alloy, il faut ensuite, dans les forges, le mixer avec de la poudre, etc. Voilà, vous allez voir les épisodes précédents, vous comprendrez. En tout cas, on a tout ce qu'il faut. Donc, je craft. Je ne peux pas. Si, fabriquer. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Ça craft. C'est bon. Oh, il y a un bout de bandeur. J'allais dire, attends, on n'a pas le cube. Et là, regardez, il est là. Le cube. C'est le cube Aura Dream, mesdames et messieurs. Donc maintenant, je vous propose qu'on aille... en fait, il faut aller au... Alors attends, c'est par où? C'est par là-bas. Il faut aller, vous savez, au... La tour. Oui, voilà, exactement. Avant la tour. J'ai le site de la baston en vue. Je m'apprête à descendre en piqué dessus. Il y a du monde sur place déjà ou pas encore? Je suis en train d'arriver en folle. C'est parti. Let's go. Oh, je passe par la porte. Oh, yes. Je t'ai vu arriver. C'était... Incroyable. Ah, il y a William ici, très bien. Je crois que lui, il rentrera pas dans l'arène, par contre. Ouais, non. Non. Lui, à mon avis... Oh, il était 130, quand même. Oui, il m'a eu attaqué. Allez, on le prend. Eh, mais attends, quel est le rayon de... Bah, je sais pas, je me suis posé la même question en fait. Oh, il va falloir coller serré. Hein. Bon, allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Ça m'a l'air en tout cas, hein. C'est une belle formation, mesdames et messieurs, que nous avons là. Hein. Ouais. Tout le monde est là? Bon, bah, je vais mettre le cube Aura Dream alors dans le truc. Je jette le truc. Hop. Et puis, j'ai envie de vous dire let's go. Ah, mais vous avez vu? On pourrait la faire en alpha. Si on rajoutait 50 diamants, 10 pots de sarco, du venin de titanoboa, des vertèbres de sauropode. Tu m'as jeté quoi, Clinclin? Non, c'est moi. Ah, c'est toi, tu m'as jeté quoi? Ça. Est-ce qu'on a les diamants? Ah oui, merci. On a des diamants? Je sais plus. Par contre, tu feras gaffe, Clinclin, t'es en slip. Je suis pas en slip. Ah oui. Ouais, c'est parti, let's go. C'est quoi la zone? Oh bah ça va. Ah oui, ça va. Ah bah oui, mais c'est tout tour en fait, ouais, ça. Franchement, on a de la place. Oh là là, mesdames et messieurs, la Broodmother. Par contre, il est où mon chalico? Alors là. Il est là, putain. Ah. On verra comment on atterrit. Hein. Mais de toute façon, ouais, c'est ça, quand on atterrit, ça va être pire. Ouais. Non mais je préfère, tu vois. Enfin, être sûr, quoi. J'ai peur. Oh là là. Attention. Il est où? Derrière. Ok. Puis dessus. J'envoie. Faut y aller, hein. Caillou! Tiens, dans ta gueule! Ça marche pas, je crois. Bah, si. Vous êtes bon ou. Ouais, go! Ah, c'est bon. Let's go! J'ai envoyé les enfants! C'est quoi, c'est. Ah, mais c'est les Megatheriums de William qui font tous ces dégâts rouges là. Ouais. Oh, je sens qu'ils sont là. Il y a des chalicots qui arrivent pas à toucher la Brood. Regardez la zone, elle est magnifique, franchement. C'est vrai, on pourrait les faire une visite. On les laisse. Par contre, j'ai fait l'erreur là. Laissez-moi tranquille. Attendez, j'ai une idée. On va faire comme ça. Venez les chalicots. Voilà. C'est William là, il s'est fait par des araignées.
Oh, je vois absolument rien. Oh, je suis dans le tas. Let's go. Let's go. On va les faire crier. Je lui jette un caillou par-dessous. Bim. Attendez, on va faire comme ça. Je fais des bons dégâts, je passe la mine. Ah, moi, c'est... ah non, mais c'est bien. Hein. Au niveau du 1400, je passe le café. Après, bon, les boss de arc, c'est des heures de préparation. Ah, c'est moi qui l'ai tué. Pour au final 5 minutes de fight, quoi, même pas. Bien joué, bravo. Félicitations. Bravo. Soyez fiers de vous. Voilà, c'était c'était la Broodmother. Hein. C'est dur, hein. Fiuh. Donc ouais, du coup, je disais, regardez, l'arène, elle est sympa. Une nouvelle arène, on est dans une espèce de cratère magmateux. Récupère le... Effet. Limite, on croirait qu'on est sur une autre planète, presque. Ah, moi, je vois s'il n'y a pas un petit truc à lire, quelque part. Avec cette espèce de grotte bizarre. Là-bas, il y a une espèce de cave au fond, il y a des trucs ou pas? C'est fermé, y'a rien. Oh, y'a un Rex tout momifié là. C'est un Rex? Ouais, c'est un Rex. Ah ouais, j'avais pas vu, tu vois. Ah ouais. Ah bah, il s'est fait. Et de l'autre côté, y'avait un mammouth. Mammouth, tu m'as fait bemain. Bon bah voilà. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, merci, bisous. Évidemment que non, on va ranger tout le bordel. Allez, je vais récupérer un petit peu de miel. Le miel, en général, il y en a un petit peu de partout, je crois. Mais là, nous, c'est juste à côté de chez nous, en bas de la maison. Là, il y a un petit caillou. Là, il est même caillou que sur Fjordur, en plus. Hein. Oh, il se l'est pris dans la tête. Il y a un Andrew 150. Ouais, mais il est en train de se faire un raptor, alors... Oh, il faut le sauver, il faut le sauver, il faut le sauver. Save him. Ah, mais c'est bon, il s'est sauvé tout seul. Bon, par contre, il veut m'attaquer, le méchant. Ah, éloigne-toi. Ben, je monte. Hop là. Oh la vache, oh, j'ai du miel hein. Eh les gars, on va faire une usine de gâteaux, j'ai du miel, c'est bon hein. Je vais mettre dans le Mewing. C'est bon, impossible. Impossible de vous rater du coup avec ça hein. Nickel. Oh là. Au secours. Attends, il y a un GG. Ouais, il y a un geyser, ouais. Oh la vache, eh, ça c'était surprenant. Vous êtes où? Ouais, juste en dessous. Ah, c'est lui l'Andrew? Ouais. Il est 150 lui, c'est ça? Ouais. Ah oui. Mais je crois qu'il m'a aggro là, non? C'est possible qu'il vous en veuille, ouais. Je crois que s'il t'en veut, on peut pas. Il faut qu'il se calme. Oula, oui. Quoi? Bonjour. Ah non, il faut qu'il se calme là. Ouais. Il faut s'éloigner là, il faut aller loin. Bah attends, je sais comment on peut aller loin du coup. YOLO, salut! Et t'as suivi? Lui aussi, il a fait. Non. Il me suivra jusqu'au bout. Oh ouais, non. Je vois plus. Il a disparu. Non, ah, sérieux. Bon, il a atterri. Éloignez-vous, il faut qu'il se calme. Ah ouais, c'est lui en bas là. Ouais. Non, c'est bon. Il est en bas. Bon, il s'est calmé, je crois. Femelle 150. Non, il se bat avec un raptor. 20. Ça va être chaud là. Ah, c'est là-bas. Il faut quelqu'un pour m'aider pour faire le raid parce que là, je peux pas descendre. On arrive. Ouais, vas-y, go. Et l'Andrew, il a mal. Hein. L'Andrew, il a très très mal. Oh la vache. Boop. Tu crois, laissez-le manger le cadavre, il va le bouffer ou pas? Je sais pas. Ah non, il a attaqué le... Non, c'est bon. Vas-y, amène-le dessus. Je crois pas qu'il le mange, hein. Tiens, à bouffer. Ah voilà, bien joué, c'est ce que je comptais faire. Là, regarde, clin-clin, là, sur l'herbivore. Ouais, c'est bon, nickel. Parfait. Bon, là, maintenant, il faut s'éloigner, il faut qu'il désaggro. Donc, il est en aggro, on pourra rien faire. Et il faut aller un peu loin, quand même. Ah, c'est bon, il s'est calmé, ça y est. C'est lui, là-bas? De quoi, ouais, femelle 150, ok, parfait. Donc, elle s'est calmée, on peut s'approcher. Je vais balancer du miel. Donc en fait la strat du coup c'est un truc que j'ai appris qu'après malheureusement quand on l'avait fait sur Fjordur, mais la strat c'est que tac tu lui files à manger, tu montes dessus, tu fais les gauches droites comme c'est écrit, tu restes appuyé et quand la barre se remplit en bas
en fait, elle devient rouge petit à petit. Et il faut descendre avant qu'elle soit complètement rouge. Et ensuite, tu reposes du miel et tu refais pareil. En vrai, c'est hyper simple. Tac, hop, là on descend. Je m'éloigne un peu. Gérer la partie basse. Tac, un peu de miel. Je m'approcher un poil. Femelle 150, c'est beau. Hein. Pas mal les Androsarcus. On va faire la selle après, Sticky, ça va te plaire. Hein. T'as une Gatling intégrée dans la selle. T'as jamais essayé? Bah du tout, j'ai jamais aimé ce truc là. T'as une Gatling intégrée dans la selle. T'es sur un cochon. Couché. Avec une Gatling. C'est vraiment pas mal, hein, franchement. Et j'ai vu qu'il marchait dans l'eau, enfin sous l'eau. Ouais, dans l'eau c'est un peu bizarre, ouais. Ouais. Ce qu'il y a de bien avec cette bestiole, c'est que tu peux le monter sans selle aussi. Ouais. Donc c'est un truc, c'est facile à tamer dès le début, tu vois. Hop, ouais, c'est bon, ça y est. C'est tamé. En vrai, quand t'as la bonne stratégie, c'est tellement facile, quoi. Et puis c'est débile, hein, c'est quand même costaud. Hein. Bonjour! Des bons sauts, quoi. Ah ouais, non, mais c'est débile, hein, cette bestiole. Hein. C'est peut-être la prochaine bestiole pour aller faire le singe. Hein. Ah oui, du coup, t'as ramené une selle, c'est ça? Oh, t'es trop fort. Sticky, t'as un peu des balles ou pas pour. Ouais. S'il te plaît. Ouais, tu veux. Tu attrapes ? Non, mais. Ah, oui, c'est vrai que tu peux pas. Ah, mais c'est des bleus en plus ! Bah oui. C'est toi qui les as craftés ? Non. Ah, tu gères. Comme ça. Oh, c'est insane. 136% de dégâts. Ah, non, mais c'est trop bien. Vous connaissiez pas ça ? Ah, mais c'est trop bien. Mais non. T'as mis un peu des balles ? Ah, oui. Alors attends, parce qu'après, regarde. Tac, tu fais contrôle, tu peux courir, tu peux toujours sprinter. Mais après derrière, attends, comment ça marche déjà? Ah oui, c'est avec clic droit. C'est des bêtes pour Sticky ça. Moi j'ai un Tila qui fait pareil. Hein. Bienvenue dans Arc, ouais. Mec. Tu peux pas avancer en même temps toi? Si. Bon d'accord, ok. Le pays où les cochons ils tirent à la Gatling. Let's go. Des cailloux toujours. Et moi je tire sur des cailloux. Poud. Ah. Viens, grappin, grappin. Attends, mon grappin, ils sont où? Attends. Vas-y, je t'en pot. Vas-y. On y va. Accroche-toi. Ouais, c'est bon. T'as plus tes ailes? Non. Prépare-toi, attends. On va voler. C'est bon, je... T'es où? J'ai mis mes ailes et j'ai fait un double espace de l'espace. Qu'est-ce qui vient de se passer encore? Je sais pas, j'ai fait caca. Pas du tout buggé ce jeu. Et la femelle, elle est où? Ah mais attends, la femelle qu'on essayait de tame, elle est dans le ciel. Quoi? Ouais, elle est à 296 mètres dans le ciel. What? Ah! C'est délire. Je me demande si elle nous a pas suivi. Elle va tomber dessus. Ah, c'est bon, elle descend. Ah, elle arrive. Au secours. What the fuck. Ce jeu. Pitié. Quand tu prends le geyser. Ouais. Sans planer en mewing, donc simplement en marchant. Et qu'ensuite tu te mets à planer en l'air. Pouf. Tu viens, tu t'écrases par terre. Ah ouais. Très bizarre. Hein. Psh. Attention. 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 C'est le jeu de la crêpe. Attention. Puis si tu spam. Hop là. Si tu spam shift, il fait des petits à-coups, c'est très 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 bizarre. Psh. Sinon il a des agros Andrew. Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Hey Andrew. Je crois que tu l'as saoulé à faire des... Attention. Ouais, vas-y, je laisse ça ferme aussi. Andrew. Non, j'ai sifflé encore. Non. C'est bon, il mange le miel. Oh, j'y retourne. Ok, ok, ok. Et c'est bon. Il s'appelle Kukukukuk aussi, celui-là. C'est un nom d'Androsarcus. C'est soit Kukukukuk, soit...
Et est-ce que vous avez déjà vu un Androsarcus voler? Pas tout seul. Je vole! Oh non! La gravité m'appelle! Au secours! Pourquoi j'ai dismount? Pourquoi ça a dismount? Au revoir! Ça va que j'ai des ailes dans le dos. Hein. Hey Andrew! Hey Andrew! Salut, bonjour! Bonjour, bonjour! Attention! Oh non! Comment tu fais les dérapages là, bizarre? C'est quand tu fais W pour faire un sprint et que tu pars ensuite dans une direction complètement opposée. Oh, attendez! Oh, j'ai inventé un jeu! Je viens d'inventer un jeu! Ah, ça va être incroyable! Atterrir dans le carré! Non! En fait, le jeu c'est le suivant: t'as ton Androsarcus en follow. Ok? Ouais. Tu viens avec, tac, sur le geyser, il faut que lui aussi il s'envole, tu voles, et le but, ensuite, c'est d'arriver à monter en plein vol sur l'Androsarcus. Ah ouais. Ah, c'est pas un jeu facile, mais il y a... Oh non, 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 non. J'ai raté. Les gars, il y a un raptor truc. Berserk. Ouais, il y a un raptor berserk. Par contre, il est où l'Andrew que j'avais fait avec la selle? Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est en cryo avec moi. Ah, c'est toi qui l'as, ok. Vas-y, attends, viens, on va le faire avec les Andrew. Allez-y, hop. Avec les Andrew? Ouais, on va mitrailler. Enfin, en tout cas, moi, je vais récupérer celui que j'ai fait. Ouais, mais là, c'est le bon. Muchas gracias. Ok. Ouais, j'ai fait avec un coquelicot. C'est parti les mecs. Opération. Ah, y'en a deux même. Comment ça, y'en a deux? Y'en a un là-bas là. Oui, y'en a deux. Y'en a deux. Aïe, aïe. C'est moi au milieu là. Aïe, aïe. C'est du 205 quand même. J'ai mal. Je souffre. Purée. C'est des. Ça a failli être un Androsarcus à utilisation simple. Hein. Tu l'utilises dans un épisode et puis c'est tout quoi. Ça va ça, vous arrivez à le. Ouais, moi je tente. Pas mal. Okay. Moi je vais faire que les affaiblir. Attends, mais. Ça en est un lui aussi là? Pas mes wings. Pas mes wings, je t'ai dit. Ça y est, j'ai plus de balles. Ah oui, il est costaud celui-là, le terrain. Bon, je vais... Voilà! Un peu joué. Mais d'accord, je vois pas l'aura sur lui alors que l'autre il a une aura, c'est bizarre. En fait, j'ai l'impression des fois il se transforme en. Qu'est-ce qu'il y a, les calicots là? C'est hein qui du chef, hein, fais gaffe. C'est ça, j'avais ça plus que RS tout à l'heure. Ok, bien joué, bien joué. C'est bon, c'est bon! Je pense qu'on peut rentrer à la maison. Aïe! Bon, mesdames et messieurs, voilà, ça y est, nous sommes à la maison, en sécurité, tout va bien. J'espère que cet épisode vous aura plu. On est sur la fin, entre guillemets, de Svart. Alors, je vais vous expliquer un petit peu mes projets par rapport à cette map et par rapport à ce serveur. Là, maintenant, on va mettre un petit peu en pause cette série, bien que il reste encore une grotte à faire et le Megapithecus. Donc je me dis pourquoi pas essayer de faire ça d'ici la fin de la semaine, peut-être semaine prochaine. Mais là, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on reprend Ultimate en force. Ultimate, si vous savez pas ce que c'est une série dans laquelle on fait toutes les maps avec Vixie de arc narrative. Donc on a commencé par Scorch, ensuite on ira sur The Island, sur Aberration, sur Extinction, Genesis 1, Genesis 2. Voilà, pour se préparer à Arc 2 et pour avoir refait tout le jeu et avoir un espèce de méga let's play hyper complet comme ça sur le jeu. Voilà. Donc si jamais vous connaissez pas cette série, vous pouvez aller voir. Si j'y pense, je vous mettrai le lien qui vous y mène directement avec les annotations en cliquant dessus. Sinon, vous cherchez hein, sur la chaîne, dans les playlists, Arc Ultimate. Normalement, elle doit être assez haute et vous pourrez la retrouver assez facilement. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous laisse là.
Merci aux copains avec moi tout le long de cette aventure. C'était vraiment très très cool. J'espère que vous avez passé de bons moments. Je pense que oui, parce que c'était un peu rafraîchissant par rapport à ce qu'on faisait d'habitude, vu qu'on était nombreux. Donc c'était vraiment un très très bon moment. Voilà, comme je vous le dis, ça continuera encore un petit peu. Mais là, la priorité maintenant, ça va être Ultimate et de finir Elemental, bien entendu. Merci tout le monde. À bientôt. Si vous souhaitez soutenir Immersive TV, vous pouvez devenir membre. Le nom des membres d'ailleurs s'affiche en ce moment même. Si vous voulez savoir comment faire, c'est dans la description de la vidéo. Si vous voulez discuter avec moi ou la communauté, peu importe, vous pouvez vous rendre sur Discord. Vous avez le lien de Discord dans la description, encore une fois, de la vidéo. Et ultimement, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça soutient mon travail. Merci beaucoup. À bientôt. Les 100 000 abonnés, on y est. Bientôt. Même pas 2000, je crois, là. Donc c'est la folie. C'est la folie. J'ai vraiment hâte. Et merci pour tout. À bientôt. Salut.